Hey! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est de retour avec Thomas, qui est retourné à Paris pendant le temps des fêtes. Et là, il est de retour. Et il est pas revenu seul, guys. Il nous a ramené des bonbons. Là, j'espère que c'est pas comme une vidéo de genre manger des trucs dégueux, là. Et ça, c'est censé être des trucs bons, là. Des bonbons. Des bons bonbons, OK? OK, let's go. OK, first one. OK. Ta-da. OK. Ça, je connais la marque. Haribo, il y en a-tu ici? Je pense que c'est nouveau. Oui, je sais que c'est français parce que dans le temps où j'allais à Paris, il n'y en avait pas encore ici, je pense, ou pas populaire. Ouais, mais maintenant, j'ai commencé à en voir. C'est des crocodiles, ça s'appelle Croco. Il y en a pas mal qui me rappellent mon enfance, là, que, oh, mon Dieu, okay. Les rouges, en soi, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs? Ouais. Cheers. Cheers. Et puis, moi, ce que je fais, là, tous les enfants, ce qu'on fait, c'est que, je sais pas si vous voyez, il y a comme du blanc, là, c'est comme de la guimauve en dessous. Puis tous les enfants mangent le blanc en premier. Ah, en premier, ok. Donc, ça me fait penser à un œuf. Mmh. Comme ça, mais des grenouilles. Ou est-ce que le dessous est blanc, puis le top est vert? Ah ouais? Ouais. Oh, le top est dur! Ouais. Ah, j'ai mal à mâchoire. C'est le premier bonbon qu'on mange. Ah ouais, c'est dur. Je me souviens pas que c'était aussi dur. Peut-être parce que tu fais plus froid au Québec. Fait qu'il y a des oursis. Oh, mais c'était dans ma chambre. Je vais donner un 7.5. Parce que ça... 8. Ah, 8? Mmh, 7.5. Je me laisse du lus. Ah, ok. Mmh, mais c'est vraiment bon. Mais ils sont bons, là. Ouais. All right. Le deuxième. Mais ça, le deuxième, je crois que ça existe ici. Oh, c'est des bonbons sûrs? Oui. Surette? On en a, mais je sais pas si c'est la même marque, mais ça existe clairement ici. J'ai pas trouvé les originaux que j'avais quand j'étais petit. Quand j'étais petit, on s'amusait genre dans la cour de récréation à manger ça, puis on faisait le tour de la récré tellement c'était surette parce qu'on était comme... Ah! Oh mon dieu, ça monte jusque là, je t'ai regardé. T'aimes-tu le surette, toi? Normalement, des bonbons comme ça, je suis vraiment surette. Pas une fan, mais je suis sûre que je suis capable de... Cheers. Cheers. Mmh. Moi, j'ai aucun plaisir à manger ça, genre. Est-ce que ça va devenir plus surette ou une fois la couche? Une fois la couche passée... Ah! Ouais, ça coûte même pas surette. Ça a duré 2 secondes. Ça a littéralement même pas 2 secondes. Ça, ça dure vraiment trop. Mais tu sais quoi? Les Smart... Pas les Smarties, les... T'appelles c'est quoi? Les... comment ça s'appelle? C'est genre un bonbon là? Les Skittles! Oh. Les Skittles, mm-hmm. Tu sais, les sacs surettes là, qui sont verts là. Ouais. Ceux à vous là, ils sont comme 1000 fois moins surettes que les nôtres. Parce que je me rappelle, je suis allée à Paris, mm-hmm. dans un cinéma, puis j'ai acheté un paquet de Skittles surettes. Puis je comprenais pas c'était quoi ça, genre. C'est tellement moins surette là. Fait que peut-être que vos bonbons surettes sont juste moins surettes que les nôtres. Ok, ça honnêtement, je vais donner un 2. Parce que ça goûtait bon, mais c'est censé être surette pis c'est même pas surette là. C'est vrai qu'ils étaient pas tant surettes. 2. Ok. Next. Next. T'as-tu des trucs au chocolat? Hey yo, tu lis dans mes pensées là, c'est incroyable. C'est des mi-choco. Mi-choco. Comme ça. Ok. Ça, mon souvenir là-dessus, c'est que mes parents en prenaient toujours quand on partait en vacances, ils ont mangé ça dans la voiture, là, sur le chemin. C'est comme du caramel, mais avec du chocolat autour. Je suis pas une fan de caramel, normalement. Fait que j'ai envie de goûter. Cheers! Cheers! C'est super dur, par contre. La plupart de nos bonbons sont faits pour arracher les dents. C'est meilleur que je pensais, pour un moment au caramel, là. Ça me rappelle tellement de souvenirs de manger ça, là. C'est dur! Hey, je jure, mon mâchoire va être musclée après cette vidéo, mais c'est bon. C'est bon, à vous. Je vais donner genre un 7. Un 7? Ouais. Ok, ouais, c'est une bonne note. Mm-hmm. Oh mon dieu, c'était vraiment genre... J'étais fan de ça, enfin, toujours fan de ça. Mais je trouve! Oui, tu connais pas? Je sais pas si c'est la même sorte ou si c'est genre une marque différente, mais j'ai déjà mangé des bonbons aux schtroumpfs là. Oh, c'est tellement bon. La légende dit que les meilleurs, c'est les grands schtroumpfs. Oh, les vieux genre, le vieux? Ouais. Moi, je mange un schtroumpf normal. Oui! Trop chou! Ça, je mangeais tellement ça quand j'étais petit tout le temps. Cheers. Yes. Ça, c'est mou par contre là. Mou? Ah, oh, je suis arraché la tête. Honnêtement? Ça? C'est pas assez bon pour que ça me donne de manger l'autre moitié. Ben, je sais qu'il y en a plein qui s'en viennent. Ah ouais? Ouais, je préfère vraiment les premiers. Je vais donner. T'as la bouche toute, t'as la langue toute bleue. Je vais donner. Ah ouais? Je vais donner un 5. Parce que honnêtement, c'est vraiment rien de spécial. Ça goûte pas mauvais là. Moi, mais comme, j'achèterais pas ça pour. Ben peut-être qu'en fait, je devrais acheter ça pour snacker parce que comme ça, j'en mangerais moins que d'autres bonbons. Alright, let's go. J'aime pas tant ceux-là, mais mon père adore ça. J'ai commencé. Des pilules? C'est vrai que ça ressemble à des pilules. Car en sac? Des car en sac, ouais. C'est quoi car? Un auto? Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. On aurait vraiment dit des petites pilules. Tiens, grand maman, une petite pilule rouge, une petite pilule bleue, une petite pilule blanche. Tiens, parfait. Oh! Et voilà. La maman des pills. Est-ce qu'il goûte différent chaque? Non. Cheers. Oh. Hey, ça sent les Tic Tac. Mmh. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une gomme? Non. Oh, pourquoi je pensais ça? Là, c'est des réglisses. C'est des réglisses? Ouais. Mais tu goûtes pas la réglisse? Oh.
Oh, mais pour vous, vous dites pas réglisse pour la même chose, non? La réglisse noire? Moi, je parle de la réglisse noire, la vraie réglisse. Parce que je sais qu'ici, il y a comme des réglisses, vous appelez ça réglisse, genre les trucs rouges à long. Ça, c'est pas des réglisses, parce que la vraie réglisse, c'est comme de la racine. Hey, ça m'a pris fucking time à m'en rendre compte. Hey, le premier était vraiment bon. J'adore la réglisse noire, moi. J'aime pas la réglisse noire. Ben, j'aimais vraiment la texture, parce que c'est comme... Dans le fond, t'as comme une petite couche qui est croustillante, puis comme l'intérieur est tout mou, fait que c'est facile à croquer, puis c'est juste vraiment le fun, comme, en dessous de la dent. Mais le goût, l'arrière-goût, genre... Non, j'aime vraiment le concept, mais le goût est pas bon, donc je vais donner un 4,5. Ok. Ouais. Mais c'est pas mes préférés non plus, fait que... Ouais. Alright, next one! Ça, j'aimais tellement ça. Ça aussi, il y en a toujours à tous les anniversaires. Des œufs! Oui! C'est un bonbon aux œufs. Ben, pas un bonbon aux œufs. Non! Un bonbon en forme d'œuf. Oh! Oh! Oh, est-ce que le blanc, c'est de la guimauve encore, puis le jaune, c'est... Je sais pas vraiment. Ah! Oh! Ça sent le Coca-Cola. Voyons donc. Pourquoi ça goûte le Coca-Cola? Ça a jamais goûté le Coca-Cola avant. What the fuck? Ça... Ben là. Moi, je suis pas une fan des bouteilles de Coke, là. Ah, moi, ça, c'est meilleur. Ça. Ah, tu préfères ça? Ça goûte moins. Ça goûte spécial. Surtout, pourquoi en forme d'œuf ça goûte? Mais même moi, je suis surpris. Je suis comme... Pourquoi... Ouais. Je vais donner un 5. Parce que j'ai donné 5 au Schtroumpf. Alright, next one. Ça, c'est mes... vraiment mes préférés. J'aime tellement ça. Oh, ok, ceux-là, j'ai déjà goûté, mais... C'est vrai? Parce que, pour ceux qui ne savent pas, il y a un an et demi peut-être, on était en tournée en France pendant 4 mois ensemble. Fait que, tu sais, pendant 4 mois, j'ai mangé des trucs de là-bas, puis j'ai acheté des bonbons de là-bas. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont l'air familiers pour moi, même si je les ai comme pas achetés, là. Mais eux autres, je me rappelle les avoir achetés. Oh! Mais je sais, c'est parce que c'est toi qui m'avais dit que c'était tes préférés. Oh oui, sûre que oui, c'est pour c'était ça. Vraiment, ils sont couverts, je sais pas si vous voyez là, mais ils sont couverts comme de sucre, mais... Ben, je te laisse les goûter d'abord, mais tu sais déjà ce que ça fait. Bubbly Bees. Je suis pas capable de lire à l'envers. Bubbly Bees. Bon, non, Bubbly's. Bubbly's. Oh merde. Mon dieu, ma vie, c'est des bonbons préférés. Ils disent que ça pique beaucoup, c'est même pas vrai. Cheers. Mais... Cheers. Ah. Laisse-le sur ta langue, tu vas voir tout le sucre. En fait, ah, c'est bizarre. Ça fait mousser la salive, c'est vraiment bizarre comme bonbon. Puis quand j'étais petit, il y en avait beaucoup plus de sucre comme ça. Fait que quand t'en prenais un dans la bouche, limite tu bavais là. C'était tellement bizarre. C'est vraiment le fun à manger. J'aime tellement ça. Ça goûte genre le bubblegum. Ouais, c'est exactement ça. Puis chimique. Ouais. Mais la texture est fun. Je pense que je vais donner un. Qu'est-ce que j'ai donné à la J'ai envie de donner un 7, mais. Note-les pas mal ceux-là parce que là. 7,5. Alright, okay. Alright, let's go for the other one. Ouais. Yes. Là, c'est mes préf à vie. Quoi, tu viens juste de dire que l'autre c'est. Non, mais l'autre je les aime vraiment, mais là c'est comme level au-dessus là. Tu peux pas dépasser ça. Oh, des Rachibus. Ouais. Nous on a des, ça ressemble à des, comment ça s'appelle? Des jelly beans peut-être. Et là pareil, il y a plein de monde qui dit justement que les couleurs goûtent pas différents. Il y en a d'autres qui disent que oui. Moi j'aime tellement ça. Ouais. T'aimes pas ça? Soit les gens adorent, soit ils aiment pas. Ça goûte pas mauvais. Je vais goûter une autre fois. Au goûter d'anniversaire, ça, à chaque fois, je raconte des anecdotes, mais tout le monde prenait un paquet comme ça, puis je le mettais en bouche. Puis genre, c'était celui qui arrivait genre à parler le premier, parce qu'en fait, ça te pogne la bouche. Genre en entier, là. T'as l'impression d'avoir genre de la colle dans la bouche. Oh my god, on a pas essayé ça! Tu veux faire ça là maintenant? Est-ce qu'on devrait? Si tu veux, j'en ai d'autres paquets, là. Ah, c'est vrai, c'est pas. Ça va vraiment être bizarre, là. Fait qu'on le met tout dans notre bouche, puis on mange. Tu mets tout dans ta main, oh mon dieu, là. Ça fait depuis. Ah, il y en a tellement beaucoup! Mais oui. Oh! La dernière fois que j'ai fait ça, là, c'était genre, voilà à quoi ça ressemble. Oh shit. Ok. Avec des plaques. Tu vas voir, c'est horrible. 1, 2, 3. Maman, c'est bon. On goûte bon? Oui, c'est vraiment bon. Mélanger ensemble, elle est vraiment bon. Attends que le sucre soit parti, après ça va coller. Ça va? Oula! Oh my god! Bon bah voilà. Ça fait combien de temps ça va aller? Ah bah ça fait longtemps. J'ai dit c'était un truc con d'enfant qu'on faisait là. Non. Je me souviens pas que c'était aussi con. À chaque fois dans tes vidéos, faut qu'on fasse des trucs cons genre. Ça me colle là. J'en peux plus. Oh, j'en ai plein évident. Moi aussi. Ok, next one? Ouais. Alright, let's go. Je mets ça là. Voilà. Des carambars. Ça, je connais ça. Ça, c'est vraiment... On en a pas ici, des carambars. Ouais, non, c'est vraiment de chez nous, ça. Puis, ceux-là, c'est les classiques au caramel. Classique, ouais. Puis, il y a des jokes dedans, guys. C'est les pires jokes du monde. Vous savez, les jokes de papa, là, genre les pires blagues du monde, ben, c'est exactement ça qu'il y a dedans. Oh my god. Ah.
Une grosse œuf. Ok. Devine, je suis pas un homme, je suis pas un animal, et pourtant j'ai un cœur. Qui suis-je? Une pomme. Un artichaut. Oh. Cœur d'artichaut. Cœur, tu dis un cœur de pomme, toi? Ben oui. Ouais. On dit ça, nous autres, un cœur de pomme? Non, on dit pas ça? Non. Je sais pas. Oui, un artichaut, ça a plus de sens, parce qu'un cœur d'artichaut. Ok. Moi, que fait un jardinier quand il ment? Il. Je sais pas. Il raconte des salades. Ça? Ouais, ça goûte bon. Moi, j'ai jamais tant aimé ça, les carambars. Hey, pourtant, j'ai dit que j'aime pas les trucs au caramel. Ouais, c'est fou. Ouais, je vais pas tout manger parce que ça va prendre genre 40 millions d'années. Je vais le finir partout. Oh, je vais faire une overdose de sucre. J'ai ramené leur petit frère. Voilà. Des bébés! C'est des bébés carambars. Oh, ils sont tellement. Ça s'appelle les mini. Ouais, mini carambars. Oh, moi, mes préférés, c'est les connais-tu? Ah, vraiment? Moi, c'est les barbes à papa, mes préférés. Les barbes à papa? Je pense pas que j'ai déjà goûté. T'as goût fraise aussi? Puis t'as les normaux, là, j'aime barbe ça. Barbes à papa, j'ai jamais goûté. Fait que... Cheers. Cheers. Arc! T'aimes pas ça? Non. Alright, là, on arrive au dernier. Au dernier? Et pas le moins pire, puisque c'est le pire de tous. Oh non, ça goûte mauvais? Mais en fait, ça goûte très bon et ça goûte très mauvais. Puis là, on devrait limite faire une vidéo sur cela. J'espère que t'en as jamais mangé. Je pense que tellement de vous les connaissent. Oh, Bing Boozled! J'ai jamais goûté. Oh, c'est vrai, j'ai jamais mangé. Joué. Oh, mon Dieu, génial. En fait, c'est comme les dragées surprises de Verticrochu dans Harry Potter. Vous savez, il y a comme des goûts qui sont bons, puis il y a des goûts comme crotte de nez, tout ça. Mais là, tous les goûts, là, c'est de pire en pire. J'en ai mangé un jour. J'ai vomi à cause de ça. On est allé à la piscine après, puis genre toute l'après-midi j'avais une haleine. Là c'était horrible. J'avais beau me laver les dents, là je pouvais pas là. Œuf pourri et popcorn au beurre. Vomi est la même chose que pêche. Arc, crotte de nez. Crotte de nez, ça serait genre salé. Moufette. Ah, moufette, non. Non. Moufette. Moufette, tu veux vraiment pas le manger celui-là là. Est-ce qu'on devrait faire une vidéo complète avec ça? Parce que si on le goûte là, on va juste en goûter quelques-uns. Je pense que oui. D'abord, on va finir cette vidéo-là, puis on va filmer celle-là après, puis je vais la poster juste après. Je suis full excitée. Fait que finalement, je pense que mes préférés, c'était les premiers. Je pense que j'étais pas nécessairement la meilleure personne pour découvrir les bonbons parce que je suis allée quand même assez souvent, puis j'ai goûté quand même plusieurs de ces bonbons-là. Mais j'espère que vous avez appris quelque chose. Pas vraiment. Ouais. Ben, vous saurez lesquels goûter, là, si vous venez en France, disons. Goûter les crocos, puis peut-être. Oh, Ouais, c'est le fun. Ouais, c'est vraiment le fun. Je pense qu'ils ont eu 7,5. C'est mignon, c'est plus haut. Ok, fait que sur ça, c'est ce qui conclut la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis sur ça, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Mouah!